C'était le charbon. Je vais me prendre une frite fricadelle, moi, je crois. Avant le match, hein? Ouais. On va prendre une galette saucisse, moi, je pense, plutôt. Ça démarre pas? Bah non, ça démarre pas. Oui, bonjour. Bonjour, je représente aujourd'hui la Commission européenne. Vous avez un problème? Bah ouais, la voiture elle démarre pas alors qu'on doit aller au stade, là, voir le match au stade Bollaert. Ah, je vois. Alors, je vais vous expliquer comment vous pourrez bientôt aller à Lens plus facilement sans votre voiture, et ce, grâce au plan Juncker. À monter, écoute. Merci. Mais c'est quoi le plan Juncker? Alors, le plan Juncker, ça vous concerne et vous impacte. En fait, c'est un plan d'investissement qui a été créé par la Commission européenne avec la Banque européenne d'investissement pour relancer la croissance et l'emploi en Europe avec la mise en place d'un fonds d'investissement qui permettra finalement d'insuffler plus de 315 milliards d'euros dans l'économie réelle. Et alors ? Et alors ? Ça peut paraître comme ça très distant de notre réalité, mais ça impacte vraiment les citoyens. Le projet de transport en commun Bull, porté par le syndicat mixte des transports Artois Goël, est en cours de réalisation. Ah oui, mon frère, il bosse là-bas. Ah ouais ? Ouais. Ce projet, comportant la création de 6 lignes de bus à haut niveau de service, permettra de doter les territoires de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay d'un réseau de transport efficace à faible émission de polluants. Eh bien, ce projet a reçu un soutien financier de la Banque européenne d'investissement à hauteur de 110 millions d'euros dans le cadre du plan Juncker. C'est génial. En plus, ce projet aura un impact positif sur la création d'emplois, estimé à 820 personnes par an pendant toute la durée des travaux, avec une attention toute particulière à l'insertion et à l'emploi des personnes en difficulté. Mais alors le plan Juncker, ça nous concerne.